Bonjour, bonjour, peuple gabonais. C'est Arthur la machine baby de Dido Balance. Le Vouga de Vouga, le fils du pays, c'est pas le modèle. J'espère que vous allez bien. Bon, la famille, oh, famille, peuple gabonais, vraiment, je suis vraiment content de vous, de la manière que vous battez pour votre pays, pour notre pays en général. Peuple gabonais, j'aimerais encore faire un petit discours sur des projets, quelques projets du peuple gabonais, que la décision que les Gabonais veulent maintenant prendre à travers les étrangers qui sont au Gabon. C'est vrai, bien sûr. Bon, ma vision là d'où j'essaie un peu de voir des choses. Et je m'adresse aussi au président de la tradition, Oligui. Vraiment, nous, les Gabonais, nous, on n'aime pas la violence. Nous, seulement, ce que nous voulons, c'est la paix et l'autre. Tous ceux qui sont avec moi, qui veulent que les étrangers ne doivent plus faire le taxi au Gabon. Hein? Ceux qui sont d'accord, mettent les j'aime. Ceux qui ne sont pas d'accord, dis non en commentaire. Essayez un peu de voir que le pays, notre pays, le Gabon, c'est un arbre de paix. C'est le seul pays là d'où on voit les étrangers faire le transport en commun au Gabon. Mais là, on a des doutes parce que la sécurité routière gabonaise n'est pas en sécurité. Tu ne peux pas voir un Gabonais faire le taxi au Sénégal. Tu ne peux pas voir un Gabonais faire le taxi en Côte d'Ivoire, non plus au Mali ou bien au Cameroun ou bien en Guinée, mais toutes sortes de nationalités étrangères qu'on a au Gabon, ce sont des plus grands taximans au Gabon. On ne vous demande pas de ne plus faire le commerce. Moi, le commerce que je connais qu'on donne aux Gabonais à l'étranger, c'est de vider les poubelles, nettoyer les carreaux, laver les assiettes, faire ceci. Voilà. C'est le genre de commerce là que moi je vois les Gabonais faire à l'étranger. Vendre des choses moins chères. Oui, vendre rien que des choses bizarres, des choses qui ne marchent même pas. Et au Gabon, c'est les étrangers qui dominent la population gabonaise dans les marchés, dans les transports en commun, sur la route nationale. Ça, M. Brice Clotaire-Oligui, ça vraiment, j'aimerais qu'on change tout ça. Moi, c'est mon message parce que moi, je veux le bien de mon peuple. Je veux que nous puissions avoir nos terres avec la paix. Sans force, sans sang. Nous, c'est la paix. Que tous ceux qui voulaient détruire le Gabon, hein, sont déjà à terre. Peuple gabonais, c'est maintenant là. C'est maintenant là et c'est maintenant le moment d'ouvrir les yeux. Je suis un jeune Gabonais comme vous. Tu sais ce qu'on veut. On veut seulement de l'autre. On ne veut plus des voleurs. On ne veut plus des menteurs qui amènent des gens des fausses promesses et des faux projets. Peuple gabonais, que tous ceux qui sont avec moi soutiennent. Soyons un. Que soit fin, que soit bilop, soyons un. On ne veut plus que gens. C'est les blobs qui jiquent, c'est les fans qui jiquent. Non, soyons un, sincèrement. Si je me réveille ce matin pour vous dire ce message, c'est avec amour. C'est avec bon cœur, les gars. Ouvrez les yeux. Soyons un, que soient les blobs, que soient les fans. Soyons un, que soit le Walentem, que soit le Wotogui. Soyons un. On ne veut plus de division, nous sommes tous Gabonais. Cherchons le boulot, construisons notre pays avec la paix. Parce que le Gabon, c'est un arbre de paix. Mes chers compatriotes, merci encore de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. Jeunesse gabonaise.